Ah, je suis tellement heureux. Aujourd'hui, l'invité de 7h50, vous avez vu qui c'est? Oui. Rachida Dati, mon ultra préférée. Quand il y a des plateaux télé, elle coupe la parole à tout le monde, elle parle fort, elle a la gouaille, elle a l'invective. C'est la bad girl des soirées électorales. J'adore. Elle a mi-chemin entre Miss Dinguette et Robert De Niro. Vous avez vu les images du Conseil de Paris avant-hier? Rachida Dati, Anne Hidalgo, le duel. Elles se sont dépouillées. Toujours battues sur votre nom. Ça, ça vous collera à vie. Voilà, quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues... Je préfère ce qui me colle à vie que ce qui vous colle à vie. Ah, ça fait mal, hein? Ah, ça remet pas, hein? Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire très, très mal. Ouh, Game of Thrones. Oh, quand je pense qu'elle sera là dans... Allez, oh, 53 minutes. Je suis comme un dingue. Oh, je l'imagine à son arrivée à France Inter. Hey, salut France Inter, alors les cocos, ça va? Vous êtes pas en grève? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je rigole. Arrêtez de faire ces têtes de vierge de gauche. Allez, détendez-vous les bolcheviques. Vous avez vu le bazar au Conseil de Paris? Qu'est-ce que j'ai mis à Hidalgo? En même temps, elle m'a recherché les noises, l'espagnole. Hein. Rachida, elle est gentille, mais faut pas lui marcher sur les loup-boutins. Alors Rachida, elle peut se transformer en Rachichi la cagole. Hein. Et là, je réponds plus de rien. Je suis le fat, j'éclabouche, tambouride. Je peux te dire que quand j'en ai eu fini avec elle, elle la ramenait pas. J'ai fait oublier son flamenco à l'Andalouse. Oh là là. On est entouré de toquers, je vous jure. Aujourd'hui, en responsabilité, que des nazes. À mon époque, il y a 15 piges, on savait danser la valse, c'est sur un autre tempo, croyez-moi. Quand j'étais garde des sceaux, ça bougeait pas, faites-moi confiance. C'était moi le shérif, personne bronchait. Ah, c'est pas comme Dupont Momo, la Rachida, hein. Les voyous, je les envoyais au mitard, pas au Club Med. J'ai le sang chaud, moi, je suis pas un lézard, attention. Excusez-moi, c'est qui le mec chelou qui me regarde de travers? Quoi? Nicolas Demorand? Mais pourquoi il me regarde bizarrement? Ah, c'est son regard normal? Bah merde alors. Je l'adore, je crois que je vais rester pour lui demander un autographe, voire un selfie. Bon, sinon, les amis, dans quelques secondes, le 5-7-2021-2022 sera terminé, finito, basta, house. Encore une saison glorieuse où Mathilde, telle une Jeanne d'Arc, Sainte Mathilde, la Vierge de Châteauroux, a encore porté cette tranche avec panache, plaçant, grâce à sa voix suave et féline, plaçant France Inter au sommet de la chaîne alimentaire radiophonique. Mathilde, petite souillon de province, aux manières bourrues, qui il y a encore 2 ans mangeait avec ses doigts, hein, et qui ne se douchait qu'à la Saint-Jean. Oh, quel parcours, Mathilde, quel parcours. Quand on pense que tes parents voulaient qu'à 12 ans, tu épouses le druide de ton village. Bravo à tous les intervenants, surtout moi, hein, qui ont fait de cette tranche moribonde un rendez-vous que la France entière écoute avec gourmandise. Petit bravo peut-être en plus à Sophie Fay, qui ne sera plus avec nous tous les jours la saison prochaine. Sophie, caution de gauche, laissez-moi rire Elvire, laisse-moi glousser Roger, qu'est-ce qu'on rigole Anatole. Alors sans en faire des caisses, sache Sophie que l'économie, je m'en fous, mais toi tu vas me manquer. Bonne oh là là, il est gentil, il a un petit cœur finalement Daniel Morin.